ברכת אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל. Bien. Par ces temps troubles. Bokertov d'abord, Bokertov messieurs. Bokertov que vous êtes là. Olivier, tu regardes ici s'il te plaît. Laisse ton téléphone, merci. Chai, t'es avec moi mon chéri. Vous êtes tous là. Chazak Baruch. Shmuel, Hazak Baruch l'Aziz Diali, qui est avec moi ici ce matin. L'Ailou Nishmat, Georges Salomon Ben, Mesaoud Efrecha Azoulé Shehayom, Pekudat, Shenato. L'Ailou Nishmat, Haïm Ben Sultana. L'Ailou Nishmat, Rabbi Yaakov Nissim, Bar Suzan, Shehayom, Pekudat, Shloshim. Ruach Adonai, Tenechenu Began Eden, Yishar Konefashot, Bene Israel Ashochvim, Imo Bichlal Arachamim Vasilichot, Vecheni Ratzon Venomar. Amen. L'Ailou Nishmat, Salomé Rachel Perchaya Bat Miriam. L'Ailou Nishmat, Rina Bat Naomi Gila. L'Ailou Nishmat, Marcel Chamisha Bat Emily et Huguet Lydie Bat Perl Genuna. Shmuel, L'Ailou Nishmuel Seror, L'Ailou Nishmat Yaakov Ben Yosef. Shmuel Ben Yaakov. Varda Bat Léa. Shalom Ben Mesod. Les Ailoui Nishmat, les 45 personnes qui sont parties avec le feu de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai et la Refoua Shelema pour tous les blessés. Liz Noemi Bat Julie Frecha. Monique Esther, c'est le Refoua Shelema. Monique Esther Batodette. Jocelyne Batoraïda. La Refoua Shelema de tous les malades du Ham Israël. Regardez par ces temps troubles dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Je voudrais revenir à des fondamentaux pour que nous ayons de la force de continuer à servir Dieu dans ce monde de la meilleure façon possible et qu'il soit avec nous favorable dans tout ce que nous faisons. Amen Kenny Ratson. J'accueille mes amis sur les réseaux sociaux. Je vous demande de partager ce cours de Torah ce matin. Parce que le but de ces cours de Torah, c'est de nous donner des forces pour avancer, pour continuer, pour progresser dans le chemin dans lequel Dieu nous a mis dans ce monde. On n'a pas le choix de toute façon, hein, Elie. On n'a pas le choix. Dieu nous a mis dans ce monde. On doit avancer, il n'y a rien à faire. On ne peut pas reculer, il faut qu'on avance. Hein, Mordechai? Donc ce cours, c'est Leilou Nishmat, on a dit hein, le nom de ton frère. Ça y est, j'ai déjà dit tout à l'heure. Son nom à lui, que ce soit ses paroles de Torah pour lui. La Emouna, la foi, il n'y a rien à faire. Écoutez-moi bien, parce que c'est fondamental. La foi a trois piliers. Il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas 50, il y en a trois. Le premier, chez Naamin, chez Colma, chez Corello, tu dois avoir la Emouna que tout ce qui t'arrive, met Hashem Itbarach Be'ashgacha Pratit, ça vient d'Akadosh Baruch avec une providence particulière. Afilu Hamikri Hakatan Beyoter, même la plus petite chose qui t'arrive dans ta vie, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Si tu penses que c'est pas Dieu, tu n'es pas dans la foi. Tu m'entends, oui ou non? J'étais en train de réfléchir. J'ai dit, mon Dieu, Eric, j'étais en train de réfléchir. J'ai dit combien de travail Dieu il a eu. C'est dramatique ce que je vais dire. Pour rassembler les 45 personnes qui devaient partir chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Du Canada, d'Amérique. C'est une folie. Que ces 45 personnes se retrouvent dans cette... Ashgara Pratit, il n'y a rien à faire. Ashgara Pratit, ça c'est la première des choses. Tu ne pourras pas faire quelque chose aujourd'hui si ça n'a pas été décidé par Dieu. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de mikré. Ça n'existe pas. Le mot dans la Torah, mikré. Le hasard. Le hasard a été, c'est un concept qui a été inventé par Amalek. Amalek est venu voir les Béné Israël dans le désert. Il leur a dit, arrêtez,
avec Ashgaha. Il y a des choses qui sont aléatoires. Elles arrivent parce que c'est l'autre qui a voulu me faire du mal. C'est l'autre qui a voulu faire ça. C'est l'autre qui a voulu me faire ça. C'est lui qui a inventé le concept. Les Béné Israël ne vivaient pas avec ce concept. Ils vivaient avec le concept que quoi? Ashgaha Pratit. Il n'y a que Dieu. Dans toute ta vie, il n'y a que Dieu. Premier pilier. Deuxième pilier. Shena Amin. Ashgaha Shelabore Itamid Arvera Kletova. Il n'y a rien à faire. Du ciel ne sort pas le mal. De Dieu ne peut pas sortir le mal. De celui qui t'aime le plus au monde, il ne peut pas te faire du mal. Faut que tu comprennes. Toi, tu dis, mon père, jamais mon père peut me faire du mal. Ma mère, jamais peut me faire du mal. Et Boré Olam, Akadosh Baruch Hu, qui lui t'a créé de Yesh Me'ayin. De rien, il t'a fait sortir. De rien. Da'am Me'ayin Bata. Sache d'où tu viens. De rien, d'une goutte. De là va sortir ta vie. De rien du tout. De là, Dieu, il va mettre une neshama à l'intérieur, d'un bébé qui est en train de se faire dans le ventre de sa mère. Il n'est pas plus gros qu'un haricot. Il y a le cœur qui va commencer à battre. Dis-moi, tu te poses des questions, toi, sur ta vie. Est-ce que Dieu il t'aime ou il ne t'aime pas? Tu sais combien il a investi en toi avant ta naissance? Combien il a investi en toi après ta naissance? Combien qu'il t'a fait, combien qu'il a fallu de miracles pour te faire grandir. Toi, tu es en train de te dire, je ne sais même pas si Dieu il m'aime. J'ai des doutes. Tu sais, le mec, il a des doutes. Troisième chose. Troisième chose. Et si Dieu t'a envoyé quelque chose, il y a un message. Encore une fois. Tout vient de Dieu. Tout est pour le bien. Et n'oublie surtout pas de réfléchir et d'essayer de trouver à travers l'épreuve ou à travers quelque chose qui t'arrive dans ta vie, c'était quoi le message de Dieu? Parce que c'est que des messages, c'est pas des punitions. C'est pas parce qu'il te frappe, parce qu'il a envie de te frapper, parce qu'il kiffe de te frapper. Il y a un message. Tu dois chercher le message tous les jours de ta vie. Qu'est-ce que Dieu il veut de toi? Alors toi, à la place de passer ton temps à t'énerver sur tout le monde parce qu'il t'est arrivé telle et telle chose, pense à autre chose. Pourquoi Dieu m'a envoyé ça? Attention, il est bon. Attention, il est bon. Et bien, alors, s'il est bon, pourquoi il m'a envoyé ça? Qu'est-ce que je dois trouver à travers ça? C'est tout. C'est les trois piliers de l'Aïmouna. Shalosh dargot elehem be'emet davar echad. Et il te dit, au fait, ces trois piliers sont collés, ils sont unis les uns avec les autres. Kaimuna yachat, car la imuna elle est une seule chose. Shema amin shen od mi levado itbarach. Parce que il te dit, au fait la vraie imuna, c'est qu'il n'y a que Dieu, il n'y a personne, il n'y a que Dieu. Mais comme Ashikore ba'olam, akol be'ashkacha pratit, tout ce qui t'arrive, ashkacha pratit, providence particulière. Ou macharcha kol mito itbarach, et puisque il y a une providence particulière. C'est sûr que c'est pour le bien. Je répète ce que dit le Messilat Yesharim. Le but de la création de l'être humain dans ce monde, c'est pour faire du bien avec l'être humain. Dieu n'avait aucune autre volonté que celle-là. Et il n'y a rien à faire. Il y a sur chaque chose une raison et il y a un but. Shehi, qui est quoi? L'elamed et abiruim la kirotov et la da'at oto idbarach, de connaître Dieu. Le but, c'est de connaître Dieu dans ce monde. Le but, c'est que tu le vives. Le but, c'est que tu le sens avec toi chaque jour. Le but, c'est que tu lui parles. Le but, c'est que tu sens sa proximité à côté de toi. C'est ça le but pour lequel Dieu a créé le monde. La da'at et Hashem, pour connaître Dieu tous les jours. Tu me comprends, oui ou non? Parce que tu passes ta vie à t'énerver. Tu passes ta vie à être en colère sur toi-même. Et sur les autres. Tu passes ta vie à t'en vouloir à toi et à en vouloir aux autres. Mais depuis le début de ta vie, il y a un projet d'Akadosh Baruch Hu pour laquelle il t'a mis au monde. Et c'est pour ton bien à toi de le chercher, à toi de le trouver. Il y a des gens qui vont recevoir des tannées, mais des tannées, tu vas dire c'est pas possible.
Il y a Kadosh Baruch Hu, il est là. Dieu, il est là et il fait les choses, les Tova. Tu comprends pas c'est quoi les Tova? Quel est le bien qu'il y a dans ces choses-là que Dieu y fait? Mais Dieu te demande une chose, trouve-moi dans tous ces endroits, trouve-moi. Ne me lâche pas parce que sache une chose, il n'y a rien qui peut venir dans ce monde si ce n'est pas moi qui l'a décidé, de toute façon. À Darga Rishona, il te dit le premier niveau. Il n'y a que Dieu. Parce que nous, on est en train de chercher des causes. On est en train de chercher des causes. L'endroit était dangereux avec Méron, ce qui s'est passé, etc. Et l'année dernière, l'endroit était aussi dangereux. L'année d'avant, il était aussi dangereux. Il y a 10 ans, il était monstrueusement dangereux. Il aurait pu laisser cet endroit encore dangereux 25 ans, sans rien qui arrive. Oui, c'est une question de temps. C'est passé 20 ans, 30 ans, il n'y avait rien, il y avait autant de monde, il n'y a rien eu. Tu comprends? Donc, nous, on est là toujours à essayer de trouver la cause. Une cause humaine. Le fautif est une cause humaine, c'est surtout ça. Il n'y a rien à faire. Quand je dis que c'est 45 personnes, Dieu, il les a rassemblées dans un seul endroit. Mordechai, il a amené un d'Amérique, il a amené un du Canada, il a amené un du Brésil, il a fait ce qu'il a voulu. Mon Dieu, combien chaque personne a dû cogiter, a dû se demander est-ce qu'elle allait arriver en Israël pour passer ce Méron. Combien d'histoires il y a dû avoir pour que peut-être qu'un autre aurait dû venir, un ami avec eux, il n'est pas venu, etc., etc. Tout est calculé dans ça. C'est de la folie. C'est que tu ne comprends pas. C'est ça, c'est qu'on a une méconnaissance totale de la grandeur de Dieu à un point de s'imaginer que chaque petite chose de notre vie vient d'Akadosh Baruch Hu. Et il dit la chose suivante. Que il est écrit Ribon Kolama Asim, on le dit dans la prière. Le Ribon, le maître de toutes les actions. A Cholet Al Kolama Asim, traduction, c'est lui qui commande, il n'y a pas une action qui ne vient pas de lui. Il te dit le Maïmonide, il le dit. Une chose qu'il faut dire tous les jours, c'est une obligation de le dire, le Maïmonide, il te dit. Anima Amin, il dit le Maïmonide. Tu as une obligation de le dire tous les matins, à la fin de la prière. Anima Amin, Be'emuna Shelema. J'ai une. Emouna, une croyance totale. Shaborit barar shemo, que Dieu, ou boré, il crée, ou manhig, et il dirige l'école à Berouim, à toutes les créatures. Vehu levado asa, et c'est lui seul qui a fait, dans le passé, rosse, il fait, veya asse, et il fera l'echol ha-ma-asim, à toutes les actions du monde. Bemili macherot, il te dit le Rav, dans d'autres mots, kol machena asa ba'olam, tout ce qui est fait dans le monde. Madavara pa'ut bioter, de la plus petite chose insignifiante du monde. Ve'at adavara gadol bioter, jusqu'à la plus grande. A kol ou rosse, il n'y a pas une chose que Dieu ne fait pas. Tu comprends pas? Tu sais quoi? Je veux te dire, à un moment donné, Dieu, il te dit, regarde, écoute-moi bien. Arrête de t'exciter. Arrête de t'énerver. Arrête. Comment tu me dis d'arrêter? T'as vu ce qu'il a fait? Et t'as vu ce qu'il a fait? T'as vu ce qu'il m'a fait? Arrête, il n'y a personne qui peut te faire quelque chose. Il n'y a personne qui peut te faire quelque chose si Dieu ne l'a pas décidé. Arrête, laisse-le tranquille, ce n'est pas l'autre qui t'a fait. C'est Hachem qui envoie l'autre, mais ce n'est pas l'autre qui te fait. Tu ne comprends pas? Tout celui qui vit dans la colère, il est dans l'athéisme le plus total. Hey, comment? Je lui en veux à mort, jusqu'à la fin de ma vie, je ne parlerai plus. Racha, comment tu peux dire une chose pareille? Racha, l'autre ne te fait rien, c'est Hachem. L'autre ne peut rien te faire, c'est que Dieu qui te fait. La reine Tsarir Shetamin, Shekol Mashiach Enverra Alecha, Ben Beruchniut, Ben Begashmiut, tout ce qui t'arrive dans ta vie, spirituellement, matériellement. Ben Sheze Balecha Mim Mikrea Teva, soit que ça provient, entre guillemets, d'un hasard de la nature. Ben Shezemi Ibn Adam, d'autres personnes. Ou Ben Shezemi Balecha Me'atzmecha, ou bien que ça provient de toi. Il y a des milliers de personnes qui s'en veulent à mort. Ils ont un ennemi personnel, c'est eux-mêmes. Ah, j'ai raté ça dans ma vie, Je suis un nul, je suis un moins que rien. J'ai tout raté dans ma vie. Oh, tu peux.
D'abord, quand tu entends quelqu'un qui te dit j'ai raté dans ma vie, il faut lui dire qui tu es toi pour rater. Quel gava, mais quel gava, quel orgueil, j'ai raté. Qui tu es pour rater toi? Pas t'es quelqu'un, t'existes même pour que tu rates des choses. Rien ne vient de toi, tout vient d'Hachem. Akol birtzon Hachem itbarach. Bemili macheroth, il te dit le Rav. En d'autres mots, il dit, je te résume ça en trois mots. Kacha Hachem rotze. Comme ça, Dieu l'a voulu. Tu vois, nous on est pollués. On est pollués par des informations dans toutes les choses de la vie. Et des fois tu dis, si je serais parti chez le médecin avant, si j'avais fait ça avant, si j'avais fait ça avant, si j'avais fait ça. Un type, il a traversé la rue, il s'est fait écraser le pauvre. Quelqu'un, il est venu, il m'a dit, ah là là, le pauvre. Il a traversé la rue pour aller acheter des cigarettes, dommage qu'il fumait. S'il fumait pas, il n'avait pas traversé la rue pour aller au tabac. Bémet, bémet. Tu crois que ça c'est rien que des six bottes que Hachem y met dans ta vie. C'est des causes, mais ces causes-là n'ont rien à voir avec le projet. Le projet doit être fait. Comme on l'a dit hier. Je termine par une chose. Chaque fois qu'il t'arrive quelque chose qui n'est pas selon ta volonté, moi, si je peux faire un cours tous les jours sur ça, vous n'avez pas le droit d'analyser une situation qui vous arrive avant d'avoir d'abord travaillé dans votre tête. Voilà, il vous arrive quelque chose. D'abord, première chose. Dis-toi. Kara Hachem Rotze. Comme ça, Dieu, il veut. Comme ça, Dieu, il veut. Comme ça, c'est Hachem qui veut. C'est Hachem qui a voulu. Après, on t'autorise quelque part à analyser la situation. Et même si tu l'analyses, c'est pas pour essayer de trouver qui c'est qui te l'a fait, mais pour trouver le message divin qu'il y a à l'intérieur de ça. Mais la première des choses, il te dit, « L'akdim et ta emuna la sechel. » Moi, je vous donne un conseil. Hein. Si vous ne mettez pas la emuna avant le sechel, un jour, vous pourrez devenir fou. Voilà. Moi, je vous conseille de travailler ça tous les jours. « Kara Hachem Rotze. » Si tu ne... Écoute-moi bien, avant de réfléchir, oh là là, la catastrophe dans laquelle j'y vais là maintenant. Oh maman. Et t'as la tension qui te monte là, tu sens la tension qui monte, les palpitations dans le cœur, et comme ça, et tu dis, je vais. Si tu n'as pas ce réflexe, toute ta vie, de dire, Kara Hachem, vous êtes dans une catastrophe la plus totale. Un jour, vous deviendrez ou fou, ou vous ferez des bêtises terribles dans votre vie, parce que vous n'avez pas eu cette faculté. Que quand il vous arrive quelque chose, d'abord vous vous calmez. Qu'est-ce qu'il y a? Tu réfléchis pas là. Tu réfléchis pas à ce qui est en train d'arriver. Tu dis, Kara Hachem Rotze. Et tu baisses ta tête. Et tu dis, de toute façon, non mais de toute façon, de toute façon. Dans l'absolu, de dire Kara Hachem Rotze, ça te donne déjà une importance. Même pas cette importance, tu ne dois pas l'avoir. Tu sais pourquoi? Parce qu'au moment où tu dis « Kara Hachem Rotze » et que tu te sens investi d'une grande mission de dire « c'est comme ça que Hachem y veut » et tu te donnes de l'importance à toi, au fait, même ce moment-là, c'est parce que Dieu il te donne la vie à ce moment-là. Sinon, même pas ça, il n'y a pas. C'est-à-dire, en fin de compte, une réalité ne peut exister que quand cette réalité... Écoutez-moi bien ce que je suis en train de dire, ouvrez vos oreilles. Une réalité ne peut exister. Olivier, tu m'entends ou non? Hein, mon chéri, regarde, écoute. Une réalité ne peut être réalité qu'à partir du moment où elle ne dépend de personne. Parce qu'une réalité qui dépend de quelqu'un, si ce quelqu'un veut arrêter cette réalité, elle ne dépend pas de toi, il arrête. Je m'explique. Il y a quelqu'un qui te prête une maison, admettons. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il va la reprendre. Est-ce que tu peux dire c'est ma maison? Mais non, pourquoi tu peux pas dire c'est ma maison? Parce que tu sais bien que lui un beau matin, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre, il ouvre la porte, il te dit dégage. Tu me suis ou non? Donc tu peux pas venir dire c'est ma maison. À partir de quel moment tu pourras dire entre guillemets c'est ma maison? C'est quand tu vas l'acheter toi-même. Elle est à toi, puis personne ne peut te faire sortir. Tu m'entends ou non? Donc toute réalité qui dépend de quelque chose d'autre ne peut pas être une réalité. Donc toi tu dis la réalité de ma vie. Mais quelle réalité de ta vie quand tu sais bien que ta vie... Mais c'est pas que t'es pas maître, c'est de la folie. Mais c'est de la folie à combien on n'est pas maître de notre vie.
Mais ça fait peur à combien on n'est pas maître de notre... Alors tu peux pas... Même le mot de dire « c'est ma vie, c'est ma destinée, c'est moi, c'est machin », mais t'es un malade, mais t'es un grand malade. Ça veut dire que l'influence de l'homme, elle existe pas. Mais pas seulement ça. Ça veut dire une chose. Ça veut dire que tu devrais être habité par une idée. Que vu que tu n'as pas une réalité intrinsèque par toi-même, parce que ta réalité dépend de quelqu'un d'autre, donc tu n'as pas de réalité, tu devrais donc automatiquement vivre... Pas à travers ta réalité à toi, mais à travers la réalité de celui qui te donne la vie. En d'autres mots, c'est ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu. Il s'est effacé complètement. J'existe pas. J'existe pas. Puisque toute mon existence dépend de quelqu'un d'autre, donc j'existe pas. Je voudrais même pas dire le mot « tu es éphémère ». Parce que même éphémère veut dire que tu as une certaine réalité. Tu n'es même pas éphémère. Et toi, tu te dis... On n'est que des serviteurs. Des serviteurs d'HM, c'est tout. Un serviteur, il a rien. Un serviteur, il est là pour servir. Regarde. Ben nous, c'est regarde, pareil, on regarde. Est les serviteurs d'HM. Allez, je rajoute. Je mets mon doigt ici. Qu'est-ce qu'il y a là ici? Il y a l'ombre, oui. Est-ce que l'ombre peut dire qu'elle existe? L'ombre, elle existe? Non. Elle existe en tant qu'ombre? Non. Elle existe parce que j'ai mis ma main au soleil. Tu me suis où, non? Donc ça veut dire que l'ombre n'existe pas. Elle n'a pas d'existence. Puisque pour avoir une existence, il ne faut pas dépendre de quelque chose. Je termine par ça. C'est au klal gadol. C'est ça la règle de la vie. Aïmouna, tsricha tamid liot bereshit amachashava. Il n'y a rien à faire. Tu devras, avant de commencer à réfléchir, d'abord, c'est Hachem. Que Moshe Katouv, reshit chorma irat Hachem. David Amelech, il a dit, dans Tehilim, le début de la sagesse, irat Hachem, la crainte de Dieu. Vlefnesh adamatrin ishtamesh basechel. Avant que tu commences à réfléchir avec ton cerveau, ou la vine, ma chémévine, et de comprendre ce que tu dois comprendre. Parce que ce que tu comprends, malheureusement, c'est une catastrophe. C'est des douleurs. Parce que ce que tu comprends, c'est que tu vas mettre, tu vas mettre ton épreuve. C'est à cause de mes parents. C'est à cause de ma belle famille. C'est à cause de mon mari. C'est à cause de mes enfants. C'est à cause de ma vie. C'est à cause de tout ce que tu veux. Et là, tu rentres dans des grandes douleurs. Khayavoulak Dimetaimuna, tu dois d'abord. Il n'y a rien à faire. J'ai passé des choses dans ma jeunesse. C'est Hachem qui a voulu pour ton tahlit à toi, pour ton but à toi. J'ai passé une épreuve dans ma vie qui fait qu'aujourd'hui j'ai des faiblesses et j'ai des machins. C'est Hachem qui l'a voulu. Tout c'est d'accord de Jouba Ouro. Il n'y a rien de toi. Chez Kacha Hachem Rotse. Donc je suis pas responsable. À la base, bien sûr que non. À la base, bien sûr que non. Tu sais ce que ça fait de toi? Ça va faire de toi que tu n'es pas quelqu'un qui t'en veut à toi-même. Parce que souvent, quand on a eu des choses, quand on était jeune, on s'en veut toute notre vie. On s'en veut de ne pas les avoir évitées. On s'en veut sur les autres qui nous les ont fait. On en veut au monde entier. Mais la première des choses, il te dit, si tu savais que tout ce que tu as passé, c'est moi qui te l'a envoyé, et c'est l'étova pour ton tahli de ta neshama dans ce monde, pour que tu accomplisses ton but dans ce monde, moi je pense qu'on aurait accepté beaucoup de choses en disant c'est Hachem, c'est Dieu. Enfin, c'est la base de la Emouna. Toute colère que tu peux avoir à l'intérieur de toi, toute peur aussi, la peur. La peur du lendemain, la peur de ce qui s'est passé, la peur, toutes les peurs qu'on peut avoir, elles proviennent d'où? Manque de Emouna, le plus flagrant de la personne. C'est quoi? C'est ta peur, c'est-à-dire que ta peur. Ta peur sur l'avenir, tu as peur sur l'avenir, tu as peur sur ce qui va se passer plus tard, tu n'as pas honte. Pourquoi? Qui tu es pour avoir peur? Ta vie de l'instant, c'est ce qu'il dit le Maïmonide. Parce que tu dois avoir la Emouna, que tout ce qu'il y avait avant, et tout ce qu'il y a maintenant, et tout ce qu'il y aura après, vient de Dieu. Donc à partir de là, tu as peur de quoi? Pourquoi t'as pas eu peur? T'as pas une peur rétroactive que t'as vécu pendant 35 ans, 40 ans? T'as pas une peur rétroactive? Non, pourquoi? Parce que c'est Hachem qui t'a donné cette vie. T'as pas une peur sur l'instant? C'est Hachem qui te donne cette vie. Et il dit, regardez. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, la Bechira. Le libre arbitre, c'est toi qui l'as. De faire une bêtise ou de ne pas en faire. Ah mince, j'ai fait telle et telle chose. Oh là là, je m'en veux. Je m'en veux d'avoir fait telle et telle chose. Le libre arbitre, tu l'as. Mais après que la chose a été faite, elle ne peut pas être faite si elle n'a pas été validée par Dieu.
ça te permet de quoi? Que même quand tu as fait une bêtise, ne te dis pas, bah, j'ai fait une bêtise, alors je suis à moins que rien. Non, non, non. Non, non, non. Attention, tu as fait une grosse bêtise, c'est d'avoir choisi de faire la bêtise. Mais la bêtise qui a été faite, elle vient de Dieu. Et donc à partir de là, ne t'en veux pas sur ton passé. T'en vouloir sur ton passé, c'est une gava, c'est un orgueil. T'es en train de dire que les choses que t'as fait dans le passé, ça vient de moi. Et je m'en veux de les avoir fait. Le tzadik, c'est celui qui vit avec cette première optique. Il n'y a rien à faire, c'est Hachem. Et donc, le tzadik ne regarde pas le passé. Le tzadik, il regarde l'avenir avec une confiance totale, parce qu'il sait que ça provient de Dieu. Et nous, on a peur tous les jours, on est angoissés. J'ai une boule ici. J'ai une boule. J'ai pas dormi de la nuit. T'as pas honte. Respire un bon coup. Enlève la colère qui est à l'intérieur de toi. Souris à la vie. Parce qu'il y a Hachem qui t'accompagne à chaque instant. Profite de chaque moment de ta vie. Profite de ton mari, profite de ta femme, profite de tes enfants. Tu n'as pas honte. Parce que tu sais pas combien de temps il te reste. Oh là là, il nous angoisse quand il dit ça. Hein. On ne sait pas combien, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et par contre, une chose, si tu as la Emouna que Hachem il t'aime, alors ce temps-là, il va te le donner Bezrat Hachem. Très longtemps. Profite de chaque moment de la vie. Avance, progresse. Pose-toi les vraies questions dans la journée. Qu'est-ce que j'ai fait pour Hachem aujourd'hui? Parce que lui, ce qu'il va faire pour moi, c'est énorme. Qu'est-ce que j'ai fait pour Hachem? Et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui va t'énerver. Tais-toi. Kacha Hachem Rotse. Comme ça, Dieu le veut. Kacha Hachem Rotse. Aïe, 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 aïe. Quoi, c'est Dieu qui le veut? Je vais le tuer, c'est Dieu qui le veut. Non. Kacha Hachem Rotse. Et après, tu te poses la question, pourquoi il t'a fait cette chose-là? Si c'est Dieu qui le veut. Donc ça veut dire que c'est un message divin. Ça n'a rien à voir avec subir les agressions de la vie, de plein fouet sur ta figure comme ça, et d'être une victime, et de pleurer sur ton sort. Mais arrête de pleurer sur ton sort. Arrête de pleurer sur ton sort. Tu as un tafkid dans ce monde. Tu as un but dans ce monde à le faire. Arrête de pleurer. Commence à sourire à la vie. Regarde les belles choses de ce monde que Dieu nous a envoyé. Le chesed d'Akadosh Baruch Hu, la bonté de Dieu. Koneshima ou Neshima, sur chaque respiration. On le sait bien que quelqu'un qui n'arrive plus à respirer, il a des poumons pourtant, et il n'arrive pas à respirer. Donc ça veut dire que tu respires à chaque respiration. Combien de bonté. Et puis une chose, je termine avec ça. Allez, il y a quelqu'un qui est bien avec toi, qui est gentil avec toi, qui est patient avec toi, qui est bon avec toi. Eh bien ce quelqu'un-là, il te dit une chose. Fais ce que je fais. Imite ce que je fais. Je t'en prie. Imite. Il faut que tu imites ce que je fais. Il faut imiter mon fonctionnement. Ve'alarta bidrachav. Dieu il te dit, tu marcheras sur mon chemin. Le Talmud il vient et dit, mais tu ne peux pas marcher sur le chemin. Tu ne peux pas marcher avec Dieu. Il est fait de feu. Entre guillemets, c'est une autre dimension qui n'a rien à voir avec toi. Et le Talmud va terminer en disant, tu dois essayer d'imiter les choses que lui fait. Lui, il fait bikoucholim, Lui, il va consoler les endeuillés, Lui, il donne à manger, il te donne à manger à toi et à l'humanité. Va donner à manger aux autres. Lui, il habille les autres, va habiller les autres. Et ainsi de suite. Essaye d'imiter Dieu. Pose-toi toujours la question, qu'est-ce que Dieu veut? Il y a quelqu'un qui t'énerve, il y a quelqu'un qui te fait quelque chose. Arrête-toi. Dis-toi, si Dieu il était devant moi, Dieu, je peux te demander, qu'est-ce que je réagis, comment je réagis? Demande-toi cette question de temps en temps. Pas ce que toi tu as dans le cœur, pas ce que tu as dans le cœur, toi. Il y avait un rave, je termine avec cette histoire, un très grand rave, Zechuto Yagen Alenu Amen, le Rav Shvadron. Il a dit qu'un jour, il était dans une synagogue, ils l'ont pas calculé. Il raconte lui-même, ils l'ont pas calculé. Et lui, c'est un grand spécialiste dans la lecture de la Torah, etc., les prières. Et aïe, ils l'ont laissé dans un coin. Il a dit que le Chazan, il est monté, il a fait une faute dans la lecture de la Torah. Il a dit, qui c'est le premier qui l'a relevé la faute? Il a dit, c'est lui. Regarde comment il a ressenti les choses. Il a dit, pourquoi c'était moi? Parce que j'ai senti un manque de caveau de la part de cette personne. Tu comprends? Ça veut dire que l'être humain, il raconte lui-même sur lui-même. Il te dit, regarde comment l'être humain, il est perverti par rapport à ses intérêts, son honneur, etc. Dis-toi une chose, Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Toujours, Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Pas toi, mais moi, je suis en colère. Moi, ce que je veux, moi, je ne sais pas quoi faire.
Non. Ce que Dieu, il veut. Demande-lui à Dieu. À Dieu, il t'aurait dit, tais-toi. Tais-toi. Qu'est-ce qui... Tu te mets en colère sur quoi? Sur ce que l'autre, il t'a fait? Parce que toi, tu ne me fais pas toute la journée. Tu veux que moi, je me conduis avec toi de la même façon que tu te conduis avec les autres. Alors calme-toi. Voilà ma avira al-midotav. Ma'aviri ma'akol pécharav. Tout celui qui laisse passer ce qu'on lui a fait. On lui laisse passer, la Gemara dit, toutes les fautes que lui, il a fait. Tout ce qu'il a fait. La Gemara dit que celui qui laisse passer quand on lui a fait, on lui rajoute des années de vie. Parce qu'il a laissé passer, on lui rajoute des années de vie. Il laisse passer. Il laisse passer dans le ciel quand il arrive son jugement. Dieu dit, laissez pas. Quoi laissez passer? Les accusateurs, ils disent, quoi laissez passer? Regarde ce qu'il a fait. Laissez passer. Lui, quand on lui fait du mal, il laisse passer. Je suis obligé de me conduire avec lui de la même façon. T'as vu le fonctionnement du monde? Et l'autre qui laisse pas passer, qui est procédurier, qui lâche pas le morceau, Makadosh Baruch Hu, il dit, on lâche pas avec lui. Chacun, il a son fonctionnement dans le monde. Chacun, il a son fonctionnement avec Dieu. Il n'y a pas un fonctionnement unilatéral pour tout le monde. Non, ça n'existe pas, ça. Chacun selon sa façon d'être. Alors celui qui s'écrase, qui dit, ah, je me suis écrasé, hein, quand même, hein. Hein, je me suis écrasé, quand même, hein. Hachem, il dit, mais t'as pas compris une chose? Toi, tu t'écrases, nous, on s'écrase aussi en haut pour toi. C'est la folie. C'est de la folie. C'est ça la vie d'un être humain dans ce monde. En vous souhaitant une journée de folie, de folie, de folie. Hey, profitez. Profitez de la journée. Profitez de cette journée. Mon Dieu, profitez. Hazak u baruch, berachah v'hatzlacha.